pour le 31 décembre. Si tu as oublié les choses qu'il faut faire le 31 décembre, le 31 décembre, avant le culte, tous les membres de Christ Family, dès maintenant, vous êtes priés de chercher une enveloppe. Vous dites merci à Dieu pour la fin d'année, une enveloppe. Et cette enveloppe, vous cherchez une feuille toute blanche et vous écrivez votre reconnaissance à Dieu pour l'année 2020. Vous dites merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous, vos enfants, vos familles, votre pays. Deuxièmement, vous faites vos vœux à Dieu pour 2021. Troisièmement, vous exposez à Dieu vos sujets de prière pour 2021. Tu n'es pas obligé de faire un vœu, mais réfléchis avant de faire le vœu. Exemple de vœu. Seigneur Dieu, j'ai un mal de dos. Si tu me guéris de ce mal de dos en 2021, je te servirai. Partout tu m'enverras, j'irai. Tout ce que tu me demanderas de faire, je ferai. Si tu me guéris du mal de dos, je te servirai. C'est ton vœu. Le jour où tu es guéri, que tu ne sais pas Dieu, sa malédiction vient sur toi. Donc il faut respecter ton engagement. Un vœu, c'est un serment accompagné d'une promesse. Et quand tu as fini cela, tu cherches une offrande de ton cœur. Le montant n'intéresse personne. C'est toi seul, choisis. Toute l'année 2020, ce que Dieu a fait pour toi, choisis une offrande et puis tu dis à Dieu. C'est ta toute dernière offrande de 2020. Tu mets dans l'enveloppe et tu dis merci Seigneur. Et tu fermes l'enveloppe. Quand nous allons prier, toi tu es en ligne, tu n'es pas habillé ici. Quand nous allons prier le 31 décembre, peut-être que tu en avances sur la Côte d'Ivoire de 1 heure, ou 2 heures, ou 5 heures, ou 11 heures de temps. Si le 31 décembre, dans le pays où tu es, il est 23h55, allume la bougie. Ah ouais, j'ai oublié, cherche une bougie. Allume la bougie. Et saisis ton enveloppe. Prends la bougie dans la main droite et l'enveloppe dans la main gauche. Tu m'entends? Tu lèves le ciel à partir de 23h55 jusqu'à minute 1, minute 2. Libère tout ce que tu veux que le Seigneur accomplisse en 2021 pour toi, ton pays, tes parents, ton mari, tes enfants. Proclame, commande, déclare cela, prophétise cela, ayant la bougie allumée, qu'elle ne s'éteigne pas pendant que tu pries. Mais avant de prier, qu'il n'y ait pas de lumière allumée dans la maison. Éteins toutes les lumières qui sont dans la maison où tu seras en train de prier. Qu'il n'y ait pas de lumière, que la bougie seule soit allumée, plus l'enveloppe en ta main. Et quand tu as fini, tu regardes l'heure que tu es rentré en 2021, qu'il est minuit, une minute, ou il est minuit, deux minutes, tu dis Amen, et tu souffles sur la bougie, tu allumes maintenant la lumière. L'enveloppe, étant donné que tu n'es pas Abidjan, tu rouvres l'enveloppe, et les sujets de remerciement, tes vœux, et tes sujets de prière, tu photographies, comme nous avons fait pour l'Alliance, et tu envoies par mon WhatsApp. Moi, je vais l'imprimer, et puis chercher une enveloppe ici, mettre dedans, et déposer ça à l'autel de Dieu, comme tous ceux qui viendront sur place vont le faire. Est-ce que tu m'as compris? Pour l'offrande, par les moyens par lesquels tu fais parvenir de l'argent en Côte d'Ivoire, tu choisis ce moyen. Si c'est un nom que tu as besoin, tu téléphones, tu écris, on va te donner un nom, tu fais la parvenir ton offrande dessus par RIA, au MoneyGram, au Western Union, ou autre chose, où tu peux venir par TapTap Sender, ou encore par, il y a beaucoup de voies par Internet de transfert de l'argent par Orange Money, ou sur mon MTN 05 68 37 29 ou 77 24 22 74. Tu le fais ici. Et tu envoies un message pour préciser. J'ai fait un transfert d'argent de tel montant. Mais c'est l'offrande de fin d'année, l'offrande de remerciement pour l'enveloppe de fin d'année. Voilà, tu précises comme ça. S'il y a plus que ça, tu précises le reste, c'est quoi. J'espère que j'ai éclairci quelqu'un. Si vous avez une question, vous pouvez écrire. Sinon, dans le cas contraire, nous allons méditer la parole du roi des rois, du Seigneur. Le Seigneur Dieu vivant. S'il vous plaît, le pasteur, la bougie, je n'ai pas bien saisi. Je dis la bougie. La bougie,
Quand tu as fini d'écrire ta reconnaissance à Dieu, tes remerciements, quand tu as fini de prier, en fait, tu as fini d'écrire tout ce que tu voulais, tes remerciements, tes vœux, plus tes sujets de prière, tu as mis dans l'enveloppe, plus ton offrande, tu fermes la bougie, tu la frappes dans la main droite, et tu prends l'offrande dans la main gauche. Tu attrapes la bougie dans la main droite, et tu prends l'offrande dans la main gauche. Elle n'a qu'à rester allumée. À partir de minuit, moins 5, 23h55, jusqu'à minuit 2 ou minuit 1 minute, tu vas déclarer des paroles prophétiques. Des paroles prophétiques, des déclarations prophétiques. Tu vas libérer des prophéties, des paroles puissantes. Et tu veux que ça s'accomplisse en 2021 pour toi, ton pays, ta famille, pour ton église, pour quelqu'un. Tu déclares tout cela là, en éteignant la lumière qui est dans la maison. Il ne faudrait pas que la bougie soit allumée pendant que tu pries et la lumière est allumée. Ça n'a pas d'effet. Tu as compris? Voilà. Voilà ce qu'il faut faire là-bas. Maintenant, pour la suite, pour d'autres directives, quand il sera l'heure du culte à bien ici, malgré que tu as déjà prié ici, il faut te reconnecter et tu suis le direct parce que tout le reste des recommandations seront faites pour tout le monde. Ce que tu dois faire avec la bougie, les jours, les mois à venir, pour tout le monde. Quand nous allons faire le direct, tu seras dit, tu écoutes ça. Mais si Dieu fait grâce et que tu as encore ta bougie à côté de toi, et qu'il est 23h55 à Abidjan, tu peux la rallumer encore, tu éteins la lumière, tu reprends tes sujets de prière, ton enveloppe, et tu pries aussi avec toute l'église ensemble. On finit ensemble, tu éteins encore. Même s'il est 10h là où tu es, et qu'il est 23h55 à Abidjan, revis la chose avec l'église ensemble encore. Ce n'est pas mauvais. Sinon, si tu as déjà fait, c'est fini. Tu attends simplement les recommandations à 23h55 d'Abidjan, et puis après tu fais ça là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un une question encore? Si quelqu'un une question encore? Ça va? C'est presque notre dernier direct de ce genre où on cause, on échange comme ça avant 1er janvier 2021.